Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 169 de Stage One. Je me rappelle du 69 quand j'avais fait une petite blague pourrie. Donc voilà, on en a 100 de plus maintenant. On va jouer aujourd'hui à Tomb Raider qui est sorti ben là vendredi. Oui, c'était vendredi. Donc voilà, bah, il est sorti. Bon, on va y jouer. Tomb Raider tout nouveau. Ça faisait un moment qu'on en attendait un nouveau. On va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. On fait une nouvelle partie. Donc oui, j'avais démarré juste un peu, mais j'ai pas joué. Donc c'est parti, facile. Oui, je teste quand même le jeu avant de A vous famous faire un test explorer dessus. once Donc je said vous laisse l'introduction. that the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure. But instead, adventure found me. Keeps us going. Something that pushes us. C'est à nous de jouer, donc il va falloir que je me balance de gauche à droite pour l'instant. Et hop, on se balance. Ah, ça oui, donc je vois à peu près, il va falloir taper dedans. Hop, voilà. Ça y est, il a pris feu. Bon, elle a retapé dedans, mais c'est pas grave, elle a tapé dans un autre truc. Voilà, alors, d'accord, donc là ça prend feu aussi. Donc il va falloir que j'aille dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il va falloir que je me balance dans ce sens-là pour brûler la corde. Comme par hasard, c'est juste la corde qui va pouvoir. Non, si. Allez, vas-y. Voilà. Ah non, c'est pas la corde, c'est carrément nous qui. Ok, donc ça nous libère. Oh!
appuyer à répétition sur E pour tirer. Allez, vas-y. Voilà. Ah, donc voilà, on est blessé, on prend le contrôle de la petite dame. Alors, oh, c'est un peu tout flou quand même là. Là, on se sent un petit peu fatigué, on voit flou de partout. Vous êtes tombé par terre, elle n'a même pas avancé. Allez, ma petite dame, avance. Elle était obligée de s'appuyer contre ce petit truc. Putain, c'est quoi ça là-bas? Il y a un mec qui est cartonné là-bas sur. Avec des bougies partout, non? C'est une sorte de. Ouais, c'est des bougies. Donc, ça a une sorte de temple bizarre. Ouais. Ah oui, parce que le truc qui nous a enlevé, j'allais dire le mec, mais ça ressemble à rien. Alors, barrière inflammable, d'accord. Où c'est qu'on a vu des flammes? Ici. Ah oui, donc. Allez, prends la torche. Voilà. On y va là-bas, et on va faire cramer ça. Appuyez ça, ouais. Maintenez E. Bref, petit temps quand même pour faire enflammer. Alors on remarquera la vitesse de combustion qui est assez irréelle, hein, évidemment. On fait cramer le truc en 3 secondes, il n'y a plus rien. Là on passe, et là on passe dans l'eau, donc ça éteint la torche. Instinct de survie, appuyez sur A. Ouais, donc ça me montre qu'il faut que j'aille là-haut. Il doit y avoir un passage. Ah non, il y a une icône de flamme. Donc je vais rallumer ma torche. Voilà, évidemment ici. C'est un peu du casse-tête facile. Appuie sur voilà. C'est un peu du casse-tête pour arriver à sortir de là. Ah, il pouvait pas non plus tout nous massier. Attention, ça va exploser, je pense. Je pense que ça va faire voilà un gros boom. Du coup, maintenant, on peut passer. Alors, on va monter. Hop. Allez, trop forte notre Lara Croft. Stop it. Donc on continue d'avancer. Allez, petite Lara avance. Elle s'accroupit un peu comme elle peut. En fait, on alterne souvent entre les entre les moments de cinématique et les moments où c'est nous qui devons faire avancer Lara. Et donc il faut vraiment être vif parce que du coup elle s'arrête, tu dis ah, il y a plus, il se passe plus rien du tout. Allez, donc on continue. On va une volonté de faire trouver une sortie. Ouais, ça doit être. Oh putain, j'étais obligé de passer sur la cascade. Ouais. Balise d'objectif. Donc là, on peut y monter là-haut ou pas? Non. Non. Bizarrement, je peux pas monter alors que j'arrive à sauter sur des trucs de fou. Donc là, il y a de l'eau. Là, il y a une flamme. Je prends bien tous les éléments en compte parce que du coup, il faut que je trouve. Qu'est-ce que je vais faire? Et je vais prendre des flammes là. Voilà. On va faire cramer ça. Ouh, ça crame. Et on va faire cramer celui-là aussi. Voilà. Voilà, donc ça brûle. Donc j'ai pu libérer la cage. Je sais pas du tout à quoi ça sert. On va aussi récupérer. Qu'est-ce que c'est que cette cage-là? Appuyez pour pousser. Ouais. Non, est-ce que j'aimerais bien y aller dedans peut-être? Ça pourrait peut-être m'aider ou. En plus, c'est une cage qui remonte toute seule. Vous la poussez et elle revient toute seule. Regardez, hop, on la pousse et elle remonte toute seule comme une grande. Elle est vraiment très forte cette cage, c'est vraiment très magique. Donc là, il n'y a rien à faire. J'aurais bien aimé la casser ou j'en sais rien. Ouais. J'ai dû oublier un détail. Donc là c'est en surbrillance.
Donc faut bien que j'aille peut-être. Je sais pas. Est-ce que je peux. Là, on dirait une sorte de tremplin. Ah bah d'accord, ok, donc je vais sauter dedans. Et hop là. D'accord, donc ça fait levier, ça jette des trucs là-dedans. Regardez là-bas, ça verse dans la cage. Donc maintenant, je crois bien que j'ai compris. Il va falloir que j'aille faire descendre ça dans le manège. Une sorte de toboggan. Je sais pas trop pourquoi il est là, hein. De base, on sait pas. Bonne question. D'accord, donc ça fait descendre des trucs. Est-ce qu'il faut bloquer le passage là-bas? Ouais, on va essayer, il y en avait d'autres. Il y avait d'autres trucs, il reste sur le. Sur le machin là-bas. Le. Je sais pas comment on peut appeler ça. Hop. Là, jette des affaires dedans. Voilà. On va essayer de repousser là-haut. Allez. D'accord. Ouais, donc ça sert à rien du tout non plus. J'ai dû louper quelque chose, je pense. J'ai dû louper un détail. Parce que là-bas, en fait, faudrait tout défoncer. Bon, si je passe, je vais éteindre ma flamme. Mes colis sont là. Ils descendent ici. Ah, mais d'accord, il y a de l'essence. Ok, là, je viens de m'approcher, il vient de le dire. D'accord, donc ça semble inflammable. Donc il faut faire descendre des trucs cramés de là-haut. Et il faudrait donc faire cramer les trucs quand ils sont là en bas. Ah ben voilà, ça brille en bas aussi. Donc ok, d'accord. Donc là, normalement, voilà. Je peux faire cramer les trucs. On est d'accord. Donc il va falloir que je rallume ma petite flamme. Alors, petite flamme, voilà. Et que je fasse cramer ces trucs-là. Là. Voilà. Donc on fait cramer les trucs qu'il y a dessus. Par contre, je sais pas si j'avais encore fait ça une ou deux fois, il y aurait plus rien eu à cramer. Ah mais non, parce qu'en fait, c'est des trucs qui descendent par le courant. Non. Et non, ouais, voilà, ça c'est pas bête. Regardez, il y a des trucs qui descendent par le courant qui montent justement sur notre planche. Et donc du coup j'aurais pu me gorer un nombre incalculable de fois. Je me disais aussi, mais c'est bizarre si on peut pas se gorer, du coup tu te retrouves bloqué après, non. C'est pas bête, c'est très astucieux. Voilà, on les met dedans. Hop. Bon, il y a deux trucs qui crament, ça devrait suffire. Et maintenant, on va pousser la case pour faire péter le passage. Par contre, ouais, je comprends pas l'utilité de ce truc en dehors de ça, quoi. Et on continue donc notre périple par le chemin qu'on vient de faire. Tout est en train de tomber. Truc de fou, on a fait une explosion incroyable. Allez, on passe. Le truc qui tombe à gauche, vas-y. En même temps, là, c'est pas dur, c'est surtout de la course et de la glissade. C'est beau, c'est vraiment très beau. Voilà, on casse tout. C'est bon, on continue à avancer. Il y a tout qui continue à se casser la tronche autour de nous, quand même. C'est assez impressionnant aussi. Allez, hop. C'est pas mal du parcours d'obstacles, voilà. Yeah. En essayant de pas. Saute, elle fait des bons. Incroyable. Allez. Vite. Ah, on se fait attraper. À gauche, droite. Vite. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah. Oh. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait très très mal, ça. Ouh, je souffre. Elle a souffert, la petite Lara. Oh là là. Allez. On se refait ça. Allez, vas-y. Donc on y échappe. Allez, vas-y. Ah. Raté encore une fois. Ah là, c'est pas possible. On va recommencer, on va essayer une troisième fois. Histoire de voir si on peut y arriver. Alors, va-t-on y arriver? Allez.
Donc maintenant, allez, donc gauche droite. Et appuyer sur F. Voilà, c'est bon, j'avais pas vu la touche qu'il fallait appuyer sur F, voilà. Donc c'est bon, on peut continuer le chemin. Oula, il y a des murs qui se rapprochent de nous. Dépêche-toi. Avant qu'on se fasse écraser. Eh non, c'est bon. Donc on est reparti gauche droite. pour essayer de grimper. Je suis désolé, j'ai un peu du mal à suivre entre les moments de cinématique et les moments de jeu. J'ai un peu du mal au niveau du son en fait. Un peu compliqué. Alors là, j'essaye de monter. Alors à droite, il faut que j'aille à... Non, je suis pas allé à droite et je suis tombé. Il fallait vite que j'aille à droite pour éviter le rocher en fait. Et du coup, bah, je me suis fait emporter. Allez, on ressaute ici. Et on se refait le machin. Ok, elle a failli tomber. Faire sa torche. Et maintenant, c'est parti. Gauche droite. Faut aller vite. Comme ça, au moins. Plus vite on est en haut. Allez, rocher. À gauche, il faut que j'aille à gauche. Voilà. Et le rocher. Vas-y. Il va y en avoir un qui va nous faire aller à droite. À droite. Voilà. Ça, c'est fait. J'espère qu'il n'y en aura pas un. Notre. On monte, la lumière est au bout du tunnel. Oui, la lumière. Ça y est, voilà. Et comme à mon habitude, je vous laisse 5 minutes de jeu. Okay, take it slow. Oh God.
Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks.
She's not always this serious, you know. How can you suggest I'm not serious about this expedition, Laura? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. Don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Laura, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Well, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Du coup, j'ai laissé toute la cinématique et c'est déjà la fin. On va arrêter là, donc ce sera tout pour Tomb Raider version 2013. Voilà, pour terminer. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.